La semaine dernière, on est parti au ski en Bulgarie pour une semaine. Alors pourquoi est-ce qu'on est parti en Bulgarie au ski? Alors, on a deux amis qui font la saison là-bas, en Bulgarie. C'est deux amis français qui sont digital nomades. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est que des digital nomades? C'est les gens qui travaillent à leur ordinateur et n'ont pas besoin de bureau pour travailler. Ils peuvent travailler de n'importe où. Et ils déménagent beaucoup pendant l'année. Ça peut être chaque semaine, chaque mois. C'est une personne qui peut travailler de n'importe où, qui travaille depuis son ordinateur et donc finalement elle n'est pas dépendante d'un endroit particulier et donc elle peut voyager et travailler en même temps. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle conversation en français. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Doron. Salut. Doron, comme vous le savez, n'est pas français. Il apprend le français depuis 4 ans. 4 ans déjà. Il a la chance de pouvoir pratiquer le français au quotidien avec moi. Mais si vous aussi, vous voulez pratiquer la conversation de manière informelle avec un français natif, nous vous recommandons la plateforme Italki qui sponsorise cette partie de la vidéo. Italki, c'est une plateforme qu'on a utilisée tous les deux dans notre apprentissage des langues. Toi, Pour le pour français. le français, moi, pour l'espagnol. On a également enseigné sur Italki. Donc, c'est vraiment une plateforme qu'on recommande à 100%. Moi, je vous conseille de faire au moins un cours de conversation par semaine. Ça m'a aidé beaucoup dans mon apprentissage de français. Et sur Italki, vous pouvez choisir aussi le temps pour l'apprentissage. Par exemple, vous pouvez faire 30 minutes, 1 heure. Et comme ça, si vous êtes très occupé, vous pouvez adapter un. À votre emploi du temps. En effet, une excuse que j'entends beaucoup, c'est je n'ai pas le temps de faire des cours de conversation. Je pense qu'on a tous le temps de trouver 30 minutes par semaine à dédier à notre apprentissage des langues pour pratiquer la conversation. Sur Italki, vous pouvez réserver des cours de 30 minutes. Et en plus, comme chaque professeur choisit son prix, il y en a vraiment pour tous les budgets. Donc, il n'y a plus d'excuses. Si vous avez envie de tester Italki et de réserver votre première leçon, on vous laisse un lien en description. Et continuons notre conversation. Nos amis sont digital nomades et ils passent la saison de ski à Bansko en Bulgarie. Il y a plein de digital nomades qui habitent là-bas. Comme tu as dit, c'est une grande station pour les digital nomades et on a rencontré les gens du monde entier, je pense, les gens d'Europe, d'Amérique, Amérique du Sud, etc. Et c'était très intéressant de voir leur style de vie et aussi qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Tu veux dire dans quel domaine il travaille? Oui, car tu peux faire plusieurs trucs comme un digital nomade, donc on a vu plusieurs choses, comme les designers, comme le développeur. Oui, je pense qu'il y a deux catégories de digital nomades. Il y a ceux qui travaillent à leur compte, qui sont à leur compte et qui sont freelance et qui proposent leurs services à des entreprises, à des clients. Et il y a ceux qui travaillent pour des entreprises et qui ont la possibilité de travailler en remote. Et c'est notamment le cas de nos amis qui, en fait, tous les deux travaillent pour des entreprises où tous les employés sont digital nomades. Donc, je pense qu'il y a ces deux catégories. Et comme tu disais, on a vraiment rencontré des gens du monde entier. Et est-ce que ça t'a donné envie d'être digital nomade? Ça m'a donné envie de peut-être vivre à l'étranger, mais pas bouger tout le temps, peut-être tous les 4 mois, car je pense aussi que ça peut être aussi fatigant de beaucoup bouger. Mais c'était cool de voir un autre type de manière de vie. Ça, c'était intéressant. Les gens qui n'ont pas leur vie normale. Je pense que moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'était que
Déjà, tout le monde était très ouvert d'esprit et très sociable, très accueillant. Et c'est assez rare aujourd'hui de rencontrer des gens, surtout quand on habite dans un endroit fixe. C'est assez rare de se faire de nouveaux amis, à notre âge en tout cas. Et là, c'était vraiment, tout le monde était super accueillant et tu peux facilement te faire des amis. Je sais pas si c'est partout comme ça. Je crois qu'à Bansko, c'est assez particulier de ce que les gens nous expliquaient. Il y a vraiment une forte communauté, un fort sens de la communauté. Il y a notamment un espace de coworking avec des événements qui sont organisés tous les soirs de la semaine. Donc, il y a beaucoup d'occasions de rencontrer des gens. Et je sais pas si c'est tout le temps comme ça. Moi, ce qui me fait un peu peur en tant que digital nomade, c'est ça aussi de devoir à chaque fois rencontrer des gens et faire des efforts, sortir, être sociable, tu vois. Je pense que ça me fatiguerait à la longue. J'ai un peu l'impression que souvent, tu sais, les conversations, c'est un peu... Ça tourne toujours autour de la même chose et que tu ne peux pas vraiment approfondir les relations. Oui, ça, je trouve que ça peut être difficile, que tu peux rencontrer les gens que tu aimerais... être un ami, mais c'est peut-être, c'est toujours, reste dans une manière un peu pas profonde. Ouais, un peu superficielle, ça reste superficiel. Oui, car tu sais que dans un mois, dans une semaine, tu vas séparer, mais il y a aussi les cas que tu vas rencontrer la personne après dans un autre endroit, car les digital nomades, et parfois, ils bougent en même temps pour un autre endroit. Il y a des endroits où il y a plus de digital nomades et où ils ont tendance à aller. Par exemple, à Bali, il y a plein de digital nomades, à Bansko. Il y a voilà, des endroits où tu vas retrouver les autres digital nomades. Et en effet, je pense que tu retrouves des gens que tu as déjà rencontrés. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'un endroit attire les digital nomades? Je pense qu'il y a un grand avantage qu'on mette un digital nomade, que tu peux travailler dans n'importe où. Tu peux travailler dans un pays qui est pas cher, comme Bulgarie. Tu gagnes ton argent dans un pays beaucoup plus cher, comme la France par exemple, mais tu vis dans un pays beaucoup moins cher. Et comme ça, tu peux moins travailler. Oui. Et je pense aussi, ce que recherchent les digital nomades, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, c'est vraiment des activités extérieures. Oui. Ils aiment les sports comme le surf. Il y avait beaucoup de monde qui faisait du snowboard aussi à Bansko. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils recherchent, des activités extérieures. Ils recherchent le beau temps aussi, le soleil. Mais par rapport à ce que tu disais sur le prix, je voudrais quand même dire que Bansko, c'était quand même assez cher, j'ai trouvé. Oui. C'était pas donné. Au ski, de manière générale, les prix sont assez élevés. En France, c'est très cher de partir en vacances au ski, de louer un appartement, louer le matériel, la nourriture. Et là aussi, je trouvais que c'était finalement assez cher. Presque aussi cher qu'en France, j'ai l'impression. Notamment quand on faisait les courses au supermarché, c'était très cher, j'ai trouvé. C'était très cher, mais quand on a sorti le centre-ville pour manger dans un restaurant, c'était pas trop cher. En dehors du centre-ville, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher, mais quand on reste dans les endroits un peu touristiques, c'est sûr que c'est toujours beaucoup plus cher. Une autre chose importante pour le digital nomade, c'est la bonne connexion d'Internet. Oui. Et aussi, un endroit pour travailler. Oui. Ça, c'est aussi important. Si tu n'aimes pas travailler chez toi pendant toute la journée. Oui, oui. Et puis, le but, c'est aussi de voir du monde, de rencontrer des gens. Donc, il y a souvent des espaces de coworking où les gens peuvent travailler. Et il y en a trois. Oui, à Bansko, il y en a trois. Il y a aussi, je crois, une très bonne connexion Internet. Ce n'est pas un problème. Et en effet, oui, c'est très important. Parce que sinon, tu ne peux pas travailler. Il faut quand même travailler un petit peu. Quel est le taf le plus surprenant que tu as vu? Alors, je pense que le taf le plus surprenant que j'ai vu, c'est un mec qui était sculpteur de ballons. Tu sais qu'il faisait des ballons, oui, c'est des formes. C'est pas fréquent pour les digital nomades. Oui, mais normalement, en fait, c'est le travail... En ligne. Donc, il était américain, donc il rentrait aux États-Unis pour 4 mois pendant la saison des événements. Il faisait beaucoup d'événements, il gagnait plein d'argent et ensuite il voyageait. Je pense qu'en fait il travaille
pas vraiment le reste du temps, tu vois. Donc, je sais pas s'il est vraiment digital nomade. Nomade. Il est nomade, pas digital. Pas digital. Et pour toi, est-ce que c'est ta don envie de vivre comme ça pendant un certain temps? Je pense que je suis un peu comme toi, où j'ai vraiment besoin d'avoir ma maison, mon endroit. Et j'aime pas trop bouger tout le temps. Mais j'aime la possibilité de pouvoir travailler de n'importe où, d'avoir cette option. Mais je me vois pas bouger tout le temps. Et vous, dites-nous, est-ce que vous êtes digital nomade ou est-ce que vous aimeriez être digital nomade? Racontez-nous tout ça dans les commentaires. J'espère que cette conversation vous a plu. Je vous rappelle que vous avez la transcription de cette vidéo ainsi que des éléments pour travailler avec cette vidéo dans le club Peace of French. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!